Et nouveau revoici parti, direction Chestvenik. Let's go. C'est parti pour explorer la station de Chestvenik. Qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est une station niveau 2, ça sera un petit peu plus simple que la niveau 3 précédente. Ouais. Bien, nous y voilà, prévenez-moi et rendez-vous ici quand vous serez prêt à retourner à la base. Soyez prudents là-bas les gars. Ok. Comme d'habitude. Hein. Donc, nous sommes ici, on va devoir explorer ça. Ensuite, on a un passage là à 3-4 cases, j'imagine. Et puis, toute la zone du bas. Ok. Alors, une première rencontre avec une personne toute seule. Ok. Allez voir. Vous voyez un homme morose dans un énorme tas de déchets. J'en ai marre de ces ordures. Ça pue, ça irradie et ça me tue. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça? Nous sommes au fin fond de la galaxie. Pourquoi vous ne pouvez pas les laisser ici? Voilà, tout à fait. Je ne peux pas. Ce tas d'ordures est facilement traçable. Mes superviseurs finiraient par le savoir si je le jetais dans la première benne venue au lieu d'en disposer correctement dans un endroit sûr ou de le détruire soigneusement. Ils me tueraient littéralement s'ils découvraient que j'ai fait ça. Je vais vous trouver un endroit pour vous débarrasser de vos ordures. Ok, vraiment? Merci. Je commençais à désespérer un peu. On ne rigole pas avec le plutonium. Ah oui, c'est des petites... C'est du petit... allez, du petit déchet, quoi. C'est juste du plutonium, tranquille. Rien de... Alors, recherchons. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons une arme détruite. Ok. On va aller voir au-dessus. Bonjour. RNT, vie d'intérieur, faim insatiable, nourrissez-moi. Et voilà pour les déchets du plutonium. Vous nourrir avec quoi? Voilà. Je suis que sécheresse et acidité. Les entrailles humides lubrifieront mes rouages. Après cela, apportez-moi, nourrissez-moi de tout. Tout? Vraiment tout? Tout. Bon bah d'accord. Bon ouais. Eh mec. On sait où aller. J'ai trouvé un robot mangeur de déchets qui a besoin d'un copie-repas. Vous auriez pas quelque chose? Waouh! J'ai accidentellement déchargé mon cargo sur ces pauvres robots. Ils sont bien juteux. Les bourreurs vous tendent des intestins d'asticots avec enthousiasme. Ouais, merci. Cool. Reçu intestin d'escargot, du coup on retourne parler à JB. Jaebae, JB. RNT vidé. Voici un morceau de chair d'asticot bien gras et juteux. Est-ce que ça ira? Donnez-moi. Ah, c'est parfait. Je suis à nouveau opérationnel. Maintenant, apportez-moi ce que vous avez. Portez-moi tout. Vous demandera tout et vous répondrez tout. Voilà, ferraille composite d'iridium, un matériau précieux résistant à la corrosion principale. Ah bah non. Putain, voilà, on peut aussi lui donner ça. Allez, c'est parfait. Bah non, pas spécialement. Oh merde, j'ai pas sauvé. Allez, préparation au combat. Ouf, ça va. On va tout de suite commencer par l'assaut mental. Hein. Sur lui qui a le plus de PV. Allez, bim. Parfait. On place une petite tourelle sentinelle. Ce qui est bien, c'est que les robots n'attaquent absolument pas. N'attaque absolument pas la sentinelle. Et en fait, j'ai pas regardé si ça se trouve, ils ont attaqué. Ah, bah si, parce que c'est 20-20, ok. Ça attaque la sentinelle aussi. Allez, petite grenade IEM sur le groupe, paf. Ensuite, frappe brûlante. Quoi, brûlure 33% pendant 3 tours.
Lui, il est étourdi, donc lui, c'est pas une menace. Bon, finissons-le. Hein. Allez, paf! Critique. Critique fatale. Parfait. Oh, mais non, t'es sérieuse, là, la sentinelle? C'est pas grave. De toute manière, lui, il est mort au prochain tour, donc... Voilà. Petit étourdissement, ensuite frappe unique pour finir celui-là. Et c'est Agiro qui fait une frappe en deux shots. Là, disons que on s'en fout un peu de la manière qu'il utilise hein, pour le tuer. Et le colosse passe de niveau. Super. Tout de suite, donc, ouvrons le PDA. Équipage. McCoy. Posture de défense, ouais. 10% de résistance de chance aux dégâts. Donc nous avons deux frappes provocantes. Deux frappes... Nous avons trois frappes provocantes. Au niveau suivant, ça peut faire 120 points de dégâts de l'arme. On va prendre le fortifié déjà. Pour encore plus résister au coup. Arsenal, ouais. Arsenal, il fait déjà pas mal de dégâts. Armure plus 1, ouais mais là on a déjà... Ouais. On a armure plus 1, plus 12 de santé. Qu'est-ce qu'on va lui prendre? On va lui prendre démolition. Non, annulé. Annulé. Merde, putain. Le chef, on lui a pris... Ah oui, on lui a pris de l'assaut mental. Ouais. Pour lui, ça serait pas mal, hein, la démolition. En plus, deux grenades incendiaires en plus. Fonctionnaire. Ouais, non. Maître de manœuvre et armée. Tu as une carte arsenal. C'est pas en bouclier. Fait hammer. Don drone rustre. ...15% de résistance aux dégâts pendant 2 tours. L'unité est touchée, est endommagée, l'oreille est amurée, tire une carte. Ouais, 5% de chance. Chaque attaque explosive. Ouais, c'est pas des attaques explosives qu'il fait, donc... C'est vrai que Rétameur... Rétameur, ça serait sympa, hein. Cuirasse d'absorption, efficacité de l'équipe, couche de pointe, bombe sale. Ouais, Rétameur, ok. D'ailleurs, on va prendre un drone rustre. Comme ça, il aura un truc. Posture de défense, non. Et on va prendre, donc, un fortifié. Et il nous reste un d'endurance. Ok. Parfait. Génère de l'énergie en fonction de 11% des dégâts infligés par les attaques de... Clairement, pour lui, ça sera génial. On bourre le générateur cinétique qui permet de... Comme il a d'énormes frappes qui font super mal, genre des 17, des 13, 11, 11, 11, franchement, il va aller... Bon, après, 11%, c'est pas énorme, c'est un point. Mais, en vrai, c'est quand même bien. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Une tablette, oh là. C'est long. Fait explosif et tir surchargé. Consomme 30 d'énergie. Alors non. On est déjà tout juste en énergie. C'est pas pour... Tête d'alien, ok. On risque de croiser les jambes, donc allons parler. De toute manière, on va tomber dessus. Voilà. Oh, trois asticots, ça va. Bim. Et un mort. Mais si ça se trouve, les asticots n'auront même pas le temps de jouer.
Peut-être un coup. Quoique, c'est lui qui joue. Ils vont même pas avoir le temps de jouer. Et ça, c'est beau. Elle frappe létale, bim. Ouais. Un gros 17 dans sa gueule. Totalement overkill, ça ne sert absolument à rien. D'ailleurs, on vient juste de faire un succès victoire parfaite, qui est, je parie, faire... remporter un combat sans subir de dégâts. Bah oui, forcément. Ah bah oui, là... Allez, se prépare au combat, c'est parti pour les yeux antiques. Grenade explosive, pour commencer. Frappe déchirante, ouais. Yeah, c'est un étourdissement, ça c'est bien. Le coup de boule, c'est chiant par contre. Allez, tourelle sentinelle. Je vais voir combien de ce... Faudrait que ça... qu'il survive encore un tour. Comme ça, j'essaye, avec le pasteur, de reposer une deuxième toile sentinelle. On a 10M, évidemment. On retire les boucliers. Donc si lui fait ça, il fait 15. Ok, il le tue pas. Enfin, ouais, il fait 10, il le tue pas. Lui le tue, l'œil antique. Putain, j'ai cru que l'œil antique allait le tuer. Donc si je rejoue une tourelle sentinelle, on ne peut en avoir qu'une seule. D'accord. Invoque sur l'unité un champ de bataille, les invocations sont limitées à 1 par invocateur. Ok. Donc on ne peut avoir qu'une seule tourelle sentinelle par pasteur. Enfin, lui ne peut avoir qu'une seule invoque. Mais si lui avait une autre invoque ou lui une autre invoque, il pourrait y en avoir plusieurs. Ok. Intéressant. Et donc j'ai bien fait de... Ouais non. J'allais dire j'ai bien fait de ne prendre qu'un seul invocateur. Non, j'aurais pu en avoir plusieurs. Ouah, c'est bon comme ça. Et on a une rencontre ici. Qui ne bouge pas, donc... Super. Plein de cellules d'énergie, c'est cool. Tant mieux. Qui ne bougent pas, mais ce sont quand même des ennemis. Évidemment, pourquoi? Allez, un étourdissement, yes. Ça, ça commence bien. Petite couverture. Voilà pourquoi. C'est la couverture qui tank. Balayage brutal ensuite. Des dégâts de zone, hein. Des dégâts de zone. Paf. Et un petit assaut mental pour finir. Sur lui. Destruction par la force du cerveau. Dard oppresseur, ok. Et un petit rasoir, un mode de gant de puissance. Frappe en rafale. Ah oui, frappe 5 fois, inflige 25% de dégâts d'alarme par frappe. Oui, mais en fait, je m'en fous. C'est ça le truc. Parce que... Le colosse... Ouais, je pourrais le mettre sur lui. Mais lui, il tape tellement... c'est une violente arme de mêlée. Enfin, il ne fait que ce qu'une arme à deux mains, lui. Donc, ouais, c'est pas super intéressant. Qu'est-ce que nous avons? Particules de glace, ok. Prenons tout. Ce qu'il y a nos alentours. Non. Non, non. Non, fermons. Non. Ok, recherche. On continue de descendre. Et ici, nous allons enregistrer. Paf. Wow, il y a plein de trucs là. Trop bien.
Tu mental niveau de 4% de chance d'échec critique pour les ennemis qui attaquent. Sur et tir nourri. Bref. Ce sera bien pour vendre. Nouvelle zone d'atterrissage. Parfait. Une petite rencontre à deux ennemis. Éviscérateur, rejoignez-nous. Soyez des nôtres. Non. Non. Définitivement non. Là par contre, c'est inflige 7 de dégâts au bouclier. Ils ont pas de bouclier. Dans ce cas-là, c'est chiant. En fait, il faut vraiment pas se spécifier dans un dégât de bouclier ou un dégât de machin. Parce que si on tombe, genre lui, il était pur bionique. Biologique, voilà. Biologique. Mais en vrai, si tu prends que de l'attaque biologique et tu tombes sur des gens. Sont sur des robots, t'es en mode fais chier. Si tu ne prends que des attaques contre des sentinelles, tu tombes sur eux, t'es en mode fais chier. Non, je vais pacifier celui qui a le plus de PV. Hop là. Voilà, il jouera pas. Quoi? Plus 4 de dégâts subis par les attaques de fléau. Génial. Oh, un étal. Bim. Allez. Le colosse. McCoy est toujours aussi agressif. C'est génial. Toujours aussi agressif et toujours aussi efficace. Est-ce que ça le tuera? Ah non, ça fait deux, mais... Oh yes, il joue pas. Ben meurt. Voilà, là... L'équipe de choc, hein. L'équipe de choc est là. Toujours le mode de grande puissance. Mode provocateur. Ah oui, non, mais c'est que... Ah. Mode technologique niveau 2. Alors, on a 10 d'arsenal et 4 de coups critiques. Et là, on a 3 d'arsenal. Mais on a 2 de détection. Bon, c'est vrai que la détection des vulnérabilités, c'est bien d'en avoir que 1. On gagne 7 d'arsenal et 4 de critique. Ouais, go. Ouais, en vrai... En vrai, difficile de passer à côté. Hein. Hop, et là, on a... Plus 6% de dégâts, plus 4% de dégâts. Ok. Et là, on a plus 7. Et ça donne un tir explosif et un tir surchargé. Ah non, c'est ça, le tir surchargé, on s'en fout parce que ça consomme 30 d'énergie. Et le tir explosif, c'est 15 de dégâts d'armes sur la cible principale. Les ennemis à proximité subissent 50% des dégâts. Ça fait, plus 6, ça fait un plus 10% au total. Ce qui est mieux que celui-là. Ouais, en vrai... Par contre, sa main, lui, commence à avoir beaucoup de cartes. Hein. Et c'est ça qu'il faut, quand même jongler aussi, pour ne pas avoir énormément trop de cartes et qui font qu'on est paumé. Mais après, avoir beaucoup de cartes, c'est bien aussi. Ça permet de se renouveler dans les... Merde. Alors pourquoi je suis étonné Allez, frappe à onde de choc sur tous. Une tourelle à sentinelle en plein milieu. Après, elle jouera au tour suivant, mais... Et là, par exemple, c'est chiant parce qu'on a lui... Giro qui a une grenade à AUM. Ah non, pas du tout. Ah, j'ai oublié que le colosse, putain, qu'est-ce qu'il était bourrin. Oh là là. Ça, je vais tester. Subisse 10% de dégâts ou inflige 10%.
plus 4 d'initiative. Mené par l'exemple. Ouais, non, en fait, c'est pas subisse, c'est inflige. Ouais, donc, c'est pas non plus. Petite erreur de traduction là. Ouais, non, 2 x 5, puis il est mort. McCoy va s'en charger. Tiens, je vais voir si je fais ça. Ok, je peux en effet avoir. Chaque personne peut avoir son invocation. C'est ce qui était marqué. C'était une invocation par personne. Mais comme ça. Insulte ville. Provocation pendant un tour. Tous les ennemis ont 20% de chance d'être affligés d'étourdissement. Espèce de salaud! Viens ici que je te bute! Et il meurt. Non, c'était un test. Le texte de la carte était assez évocatif, mais on a la confirmation. Grenade à frag. Ouh, petite grenade à frag, ça c'est bien. Après, c'est un mode d'art niveau 1, faut voir. Lame d'énergie niveau 2. Ouh, ça. Frappe en rafale, frappe unique, frappe rapide, double frappe. Tout prendre. Oui, inventaire, on y était pour le chef. Alors, on a un 10-17. On a un 7 de dégâts, armure moins 1, un tour si touché. Là, on a dégâts 8, médical 2, 23% de chance, 23% de bouclier supplémentaire, 10% de désactivation pour une carte pendant un tour si touché. Bah, c'est tellement bien. Frappe déchirante, ouais, il y a 3 frappes déchirantes. Qui ont 20% et qui font un saignement. Ici on a frappe en rafale, parce qu'il frappe 5 fois. Ouais, mais ça fait tellement plus de dégâts. On a 15. 15, 9, 8, 16. Alors, 15 plus 9 plus 8 plus 16. Donc on a un dégât à 48. Non, plus 12, pardon. Donc 15, 9, 8, 12. 15, 9, 8, 12. Donc on a un dégât à 44. Et celle-là, on a 37. Voilà. Celle-là fait à un DPS de 7 de plus. Donc mieux vaut la prendre. Toujours rien en violent, mais les. Ok. Tac, sauvegarde. Partie sauvegardée. On va aller prendre. On va aller chercher ce qu'il y a là. Et nous avons vu des ennemis juste à côté. Qui sont juste derrière nous. Qui sont-ils? Ce que nous allons voir tout de suite. Ah, des gardes, un garde cobra et un lézard. Ok. Alors, vulnérabilité, frappe brûlante. Bon, bah, frappe brûlante pour commencer, hein. Voilà, bim, 12, ce qui fait qu'il a 8 points de dégâts. Lui, il est mort. On peut considérer qu'il est mort. Même si c'est pas totalement vrai. Boost de réflexe sur McCoy. Qui fait une grenade, qui fait un coup violent. Ouais, et du dé, c'est normal. C'est totalement normal, étant donné qu'il n'a pas joué. Par contre, lui, étourdissement. Yes. On va refaire un tir de vulnérabilité. J'allais dire, on va refaire une frappe brûlante, mais... Ou alors grenade explosive sur les deux. Paf, comme ça, on tue les deux. Non, on tue un. Et le deuxième... presque mort. Lui, ok. Lui, il peut le finir. Allons-y. Frappe unique. Et puis, Pasteur qui fait son triple tir, qui le tue. 3, 3 et 4. C'est suffisant pour l'achever. Oh, yes. Yes aussi. On va tout de suite aller voir l'inventaire. Voyons voir le colosse. On a chopé, donc. Ah non, j'ai...
Bah non. Mais non, d'accord, c'est carrément une violente arme de mêlée 2. Elle fait 8 de dégâts. C'est la 9. Frappe unique, on a 3 frappes uniques, une frappe lourde. Et là, on a coup violent. Ouais, le coup violent, en vrai, on s'en fout un peu. 10% de chance d'infliger étourdissement pendant un tour. 10% de chance d'initiative 2 pendant un tour. La frappe lourde est sympa. Et donc là, on a 38. Non, 30. Oui, c'est ça, 38. Pas du tout. Si. Oui. 38 de dégâts, théorique. Et là, on a beaucoup plus. Enfin. 12, 24, 36, 49. On gagne 9 de dégâts supplémentaires comparé au démolisseur. Donc, autant prendre celle-là. Allez, à la place de ça, on a 11% de chance d'étourdissement si touché. La frappe présente dans tous les ennemis. 75% de chance d'infliger étourdissement pendant un tour. Bon, frappe létale, c'est tellement bien. Et le balayage, qui est tellement bien aussi. On a 7%. J'ai oublié, on a 7% de chance de coup mortel, hein, quand même, sur lui. Ce qui est pas mal du tout. Ok, on a 3 ennemis devant nous, et ici on a une rencontre, ok. Allons-y. Qui sont-ils? Ce sont des concierges. Ok, des petits robots, allons-y, grenade UM, bah oui. Hop là, la grenade UM sur tout le monde. Ensuite, le drone sentinelle. Les invocations, les petits buffs de partout. Ah, si McCoy a son balayage. Frappe provoquant, ouais, non. Mais il a une frappe lourde. Ce qui permet de tuer celui-là. McCoy. Le bourrin de service, mais tellement efficace. Ah, et comme c'est le premier à jouer, ah oui. Tout le monde fait 10% de dégâts supplémentaires. Allez, paf. Donc c'est ça. Il est marqué subisse, mais ça fait 10. Ça inflige, quoi. Un tir doublé, hein. Ah, évaporation 2 en plus. Ouais, c'est bien ça. Et en plus, il perd 2 cartes. Comme ça, si jamais il y arrive, il arrive à survivre jusque là. Il avait moins de cartes. Mais... moi, il ne survit pas. Tout prendre. Allons là. Ça n'a pas l'air d'être des ennemis. Enfin bon, je dis ça, mais... En effet. Ce n'est pas un ennemi, c'est un événement. Vous trouvez le cadavre d'un recycleur anonyme. Les restes sont coincés dans une crevasse sombre et étroite. Il semble être demeuré intact pendant longtemps. Cherchez les objets de valeur, laissez leur reste. Essayez de sortir le corps de la crevasse pour voir s'il porte quelque chose d'utile. Retirons le corps de la crevasse. Vous arrivez jusqu'au corps et réussissez à le sortir de la crevasse. Vous ne trouvez pas de butin. Voyez cependant un message grossièrement. Taillé sur le corps. Des gangas croisés. Génial. Fuck. Rien du tout là, allons, repartons par là. Hein. Je te dis, ce vaisseau, plutôt facile, hein, en vrai. Ok, c'est parti pour les éviscérateurs, préparons-nous au combat. Attaque mentale, tourelle sentinelle, McCoy, le drone russe. Phase 1, déploiement des ZAD. Phase 2, regène de bouclier. Aïe. Et la tourelle sentinelle. Et un mort. Ensuite, c'est le drone. 6 de dégâts en plus avec une évaporation.
soi ou allié. Ouais, mais en soi. Lui, il est mort. Alors, on peut faire un redémarrage à zéro sur lui, pour être sûr. Cellule d'énergie moyenne. Oui, bah ça, c'est normal. Et là, il le tue. Et paf! Et voilà. Tout prendre. Ça va, on a encore 300, 600, on a encore 1200, ça va. On est encore assez large pour question sur recharge. On a quoi? On a une frappe létale. Plus 1% de coup mortel. Bah, c'est ce qu'on a déjà. Oh merde. Inventaire. C'est ce qu'on a déjà. Surtout que là c'est 3% de coup mortel. Donc c'est tellement mieux que plus 1%. Ouais, c'est ça. Hop là. Stockage de données supprimé. Le processus d'hibernation a commencé. Vous examinez l'étrange appareil et vous vous rendez compte que quelqu'un d'autre a effectivement extrait l'objet qui s'y trouvait. Ah bah super. Le silence emplit la pièce tandis que la machine regarde fixement dans l'espace. Il n'y a rien ici pour vous. Cool. Allons voir juste en dessous. Ça se trouve, ce sont les gardes Cobra qui ont tout piqué. Allez, on reprend. Hein. Ah, c'est dommage, on n'a plus de mettre tous les buffs. Qu'est-ce que ça s'appelle du lézard? Plus 5 d'initiative, ok. Grenade IEM, histoire de vider. Oh yes, il est stun. Putain, il a plus d'initiative et il jouera pas. Ah oh, yes, trop bien ça. Inspiration. Inspiration ou compliment? 1% de dégâts. Elle est le colosse. Donc toi, tu te prends 3 de dégâts et tu ne joues pas. Parfait. D'ailleurs, tu te fais détruire. Trop bien. Tu récupères rien, mais c'est trop bien quand même. C'est tout. On a fait tout le vaisseau. On a déjà fait tout le vaisseau, ouais. Ok, c'est pas ouf. Rentrons à la station. Pas génial, mais bon. Ok. On aura déjà eu meilleur. Ah, bah non, mission 0 sur 2. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû retourner coordonnées pas terminées. Oui, mais ça. Terminé. Ouais, ça c'est bon, terminé. J'allais vendre tout. Vendre. Vendre tous les déchets. Ensuite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mode d'outils technologiques. Ouais, mais personne n'a un mode d'outils technologiques. Mais lui, peut-être qu'il en vend. Acheter mode d'outil mental. Outil mental, 15 mental. C'est pas mal. Balise d'extraction, protection contre le danger. Arme de propagation, tir étouffé, viser. Ouais. Pas ouf en vrai.
Oh, j'ai 1400. Ouais, mais j'ai plus énormément. Ok. Pas mal. Ensuite, au workshop, il nous en reste 1100. Plus 1 du porté de du scanner. Plus 1 du scanner, ça serait pas mal. On augmenterait à 2 cases en plus. Affiche les unités, leur niveau et indicateur de proximité de piège. Ouais, ça permettrait de voir ce qu'il y a. Ça, on s'en fout. Le scan. Plus 1 de portée de la vision, plus 25. Pour le coup, en énergie, quoi. Ça augmente, hein. En fait, tu gagnes de la vision, mais tes déplacements coûtent plus cher, donc. Réserve maximum, plus... Et ça, c'est bien. De prendre la moins 20% de réduction. Je pense que je vais prendre ça. Bon, ça va. Ok. Station. J'étais sur l'épave, les données avaient déjà été récupérées. Quoi? Oui, Charlatan, le recycleur, est revenu de Chelsea-Stink avec une atmosphère à l'aspect curieux. Que cela vous serve de rappel? Vous n'êtes pas les seuls à rechercher les données ni à vouloir obtenir votre citoyenneté. Pas de souci, vous aurez de nouvelles occasions de faire vos preuves. Continuez. Vous voulez autre chose? Vous n'avez toujours pas de nouvelles données? Non. Casse-toi. Ok. Ouais. On a tout fait. Je vais juste repartir sur... là. Mission 1 sur 2. Il y a un truc qui manque, là. Et on va faire déjà un cut VOD. Ça va trop vite. Ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Donc, cut VOD. On se retrouve dès que... YouTube, on se retrouve dès qu'on aura atterri. Dès qu'on sera arrivé à cette... Non, putain, j'ai fait retour à la station. Bref, YouTube, on se retrouve quand on ira voir et voir. À toutes.